Tac, et je mets la musique du jeu. Hop. Hop. Et je vais mettre ça dans le casque. Ah ouais, rien n'est prêt, hein, comme d'habitude. Absolument rien n'est prêt au niveau son. Voilà. Bon, ah oui, Lindum. Lindum. Dernière carte. La culture, on y est presque. Prospérité, on y est presque. Et ça monte. La paix, ça va encore être long. On a une invasion imminente qui arrive. Invasion imminente. Et population, il me manque que 1400, sachant que j'ai encore tout ça à exploiter, à utiliser. La bouffe et la pop ne seront pas un problème, je pense. On va continuer. J'ai posé un nouveau fort légionnaire, j'ai commencé à mettre des fortifications. On va commencer à faire plus de troupes. Hein. Je ne voudrais surtout pas, comme la game précédente, me retrouver dos au mur. En ayant presque perdu mon pays parce que j'ai fait de la merde au niveau du nombre de mes troupes. Plaza, Plaza ici, tu fais la Plaza, moi je t'en donne. Voilà. Je pourrais presque faire des meubles ici. Et de la poterie. Ah, on a de la pop, hein. On a de la pop qui arrive. C'est très très bon. J'ai besoin de population. Voilà, regardez-moi toutes ces poteries. Regardez-moi toutes ces poteries. C'est pas beau. On va continuer. Je me dis qu'on pourrait encore faire plus. Type it. Comme ça. Hop. 1, 2, 3, 4. Et on va doubler les poteries. Gros matériel. Workshop. Poterie. 1, 2, 3, 4, 5. 7. Allez vite. Oh, c'est ce qu'il faut. Voilà. Préfecture. Et tout d'un. On va faire exploser la production de viewers. Oh putain, encore un bot. On est jamais tranquille. Hein. On est contre les mecs, les bots ils viennent dire allez tu veux des viewers et tout, viens là, c'est dingue. Ça s'achète pas des viewers, encore moins des subs. Est-ce que ici, 4800 habitants, je vais préparer une extension majeure. Je vais faire ça, regarde. Comme ça. Oh, Asimane, merci mec! Oh non! Oh non, c'est pas possible! Ah, je pourrais importer du blé. Vous savez quoi? Je pourrais importer du blé. Quand on y pense? Merci à toi, non! Ah non! Tu me fais des thunes et tout, c'est moi qui te remercie, mec. Vous savez quoi? Je vais importer du blé. Je vais importer du blé. Warehouse. Warehouse. Granary. Et je vais importer du blé. On va hop accepter. Putain, plus de temps, c'est malin. Ouais, bientôt 2 ans. Oh là 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 là. Pas mal. Hop. 8. Et je vais importer, lancer l'importation de blé. Voilà. Importing max. C'est parti. 42 blé. On va faire péter les imports. Et là, ma production de bouffe a l'air de s'être effondrée. Et on va venir cultiver tout ça, là. Depuis ton run Alban 44, putain. Ça nous rajeunit pas, tout ça. Ça ne nous rajeunit pas du tout, hein. Water. Comme ça là. Hop. 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 L'annonce de Kidom. Pourquoi tout le monde vient me faire chier avec ça?
peux déjà à peine jouer au 1 au niveau technique, j'ai pas le PC. Encore moi que je vais pas venir jouer au 2, hein. Hop là. Voilà. Voilà. Fontaine. Parce que si j'avais un super PC de la mort, je peux te dire que j'irais jouer à Star Citizen. Ouais, je ferais d'autres jeux. Hein. Je jouerais pas à un jeu qui a 26 ans, là, Kaiser 3. Non, je déconne, j'adore. Hop, 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 hop. Voilà. Ah, les chars français dans le Caucase. Que de bons souvenirs. Peut-être bientôt de retour. Ne tournez pas le mal de mer insupportable, bah écoute. Bon, attendez, je suis attaqué. Vu le prix de la vie en Islande, c'est pas l'argent des abonnés qui va me payer un nouveau PC. Ok, là-haut, on va aller se mettre en place. Voilà. PP Master Noob, ouais, j'avoue. Il y a un peu de ça. Allez, 5000 habitants! Et on va se débarrasser déjà de cette cohorte de malandrins. Voilà, allez hop! Ça nettoie! Salut Dakar! Ouais, la rediff sera prochainement. Oh putain! Aïe 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 aïe. Ok, là je vais amener la troupe par derrière, on va les prendre en sandwich. Allez, on les savate. Oh là là, mes troupes ont un mauvais moral. Mes troupes ont un mauvais moral. Aïe 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 aïe. Ok, ici on a fait le ménage. Voilà, c'est bon. Oh putain, mon argent. Mon argent qui se casse la gueule. Ça, c'est sûrement les importations de blé qui commence à arriver. Ouais, c'est les importations de blé qui commencent à arriver. Ah, ici, il fait chier, il y a pas ce petit boss. Éventuellement, je vais mettre un grenier plus près. Granary. Et autoriser le blé. Voilà. Ok, victoire. Voilà. On retourne au fort. Et ici, je vais continuer à bosser sur les nouveaux, le nouveau domaine des dieux. Farm. Comme ça. Voilà. Les préfectures et les études d'ingénieurs, on n'a rien fait du tout, c'est catastrophique. Voilà. Les hôpitaux et tout, oh là 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 là. Préfecture. Ingenieur Post. Là, ça va être que pour faire de la bouffe. Hein. César est pas content. César est pas content, c'est le blé que j'importe, ça. Alors, on va mettre un docteur, un barbier, un grenier, granary. On va tout autoriser. Voilà. Personne pour bosser, c'est une blague. Ouais, bon. 46 employés. Je trouve personne pour bosser dans cette ville à la con. Oh, mais non! Et les autres qui s'effondrent, voilà! Bon matériel, Iron Mine.
Et nous, un hippodrome, je peux pas, j'ai pas les ressources, mec. Je peux juste pas faire péter un hippodrome, j'aimerais bien, mais. C'est pas possible. Cérès, on va mettre tous les temples. Neptune. Mercure. Mars. Juste pour faire chier chouant, là, je fais manuellement. Voilà. Et on va continuer à faire péter une quantité dingue de bouffe. Là, du fruit. Ferme, fruit. Voilà. Comme ça. On va mettre une école. On va faire péter les bains. Paf. Voilà. Un théâtre. Voilà. Plus de fermes. Des gigantesques quantités de fermes. Voilà. Petite préfecture, études d'ingénieur, voilà. Tu peux autant que tu veux. Non, là il va falloir que je rembourse d'ailleurs. Tu peux pas aller dans le négatif, d'ailleurs j'ai pas vu, mais j'ai fait un peu de merde là. Je vais arrêter d'importer du blé, ça me coûte beaucoup trop cher. Va chercher. Ah oui, décembre, c'est la fin de l'année. Va vite falloir que je remonte. Oh ouais, là mes ressources, je dégueule de ressources. Je vais me calmer un peu sur ça. Ouais, là on est en janvier, ok, on est en janvier, ils vont venir acheter mes ressources. Ouais, ils vont venir acheter mes stocks. Voilà les bateaux. Allez, l'argent. Voilà, regardez, là les thunes ça va monter fort. Les thunes ça va monter fort. Ils vont m'acheter mes meubles, ils vont m'acheter mes poteries, ils vont m'acheter mes armes. Voilà, allez l'argent. C'est parti. J'ai trop de poteries. Oh, regardez l'argent, alors là on se régale. Là on se régale. Oh là 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 là. Vend du fer. Non, non, c'est pas rentable le fer, c'est de la merde. Allez, achetez-moi plus là. Bon, on a presque remboursé la dette. Oh, c'est pas la dette de Bruno Le Maire quand même, hein, mais. Allez hop, voilà, on est repassé en positif. Bonne nouvelle, on va donner ça à la ville pour pas passer en négatif. Parfait. Et l'argent est monté. On est bien. Les poteries ont été achetées. Une école. Hop. On va faire péter de la plaza. Voilà, allez hop, évoluer tout ça. Magnifique. 5400 habitants, ça continue de monter. On a que. Il me manque que 11 employés dans ma ville. C'est pas mal du tout. On a des sacrées armées. On a une nouvelle invasion qui se profile. Culture, on est pas mal. Prospérité, ça monte. La paix, ça monte. Faveur, faveur, les 85 de faveur. Voilà. Pourquoi ils se réduisent ici? Des fournitures, mais des meubles, j'en ai tout le tour du ventre. Des meubles, j'en ai partout. Va aller chercher les meubles. Putain. Allez, on va continuer à faire de la bouffe. Pipi, pipi.
ça. Voilà. On va faire de la bouffe à plus savoir qu'en faire. Voilà. Là, je peux vous dire de la bouffe, on en fait. J'ai installé ces deux quartiers là juste pour ça. Et quand tout ça, ça va évoluer, on va aller à 6000, je pense. Voilà, les greniers sont pleins. Si éventuellement, rien ne m'empêcherait d'ouvrir le reste. Voilà. Et de faire peut-être un kart pour amener les ressources. Quoi déjà? Ah bah ouais, je vais être de nouveau attaqué. Bah je vais... J'espère que j'ai recomplété mes troupes. Est-ce que j'ai de la bouffe maintenant? Ouais, ok. Ils sont bien nourris. J'ai recomplété mes pertes. Je vais reposer du légionnaire. Allez, un nouveau légionnaire, voilà. Faut pas qu'ils arrivent là. Normalement, il n'y a pas de raison qu'ils arrivent. S'ils arrivent là, je perds. Invasion imminente. On croule sous les ressources. Ça, c'est cool. Deux employés, est-ce qu'on ferait pas Oh, Neptune, putain, plus 50% de revenus en plus, ça c'est cool. Carte des bombes. Voilà. Juste pour amener le blé. Alors, select source, grenier 10 à grenier 11, always, tac, voilà. Un chartier. Allez, la pop qui monte, tout ça c'est en train de grimper. Allez, on a des chômeurs, c'est parfait. Il me faudrait des académies, c'est vrai que j'ai absolument aucune académie dans ma ville. On va pouvoir commencer à poser quelques académies. Ils seront heureux avec des académies. Où est-ce que je vais les mettre, mes académies? Pas facile à poser. Tiens, ici, c'est parfait. Ah, académie. Académie. Du coup, là, ça va nous faire monter la culture tranquille. C'est pareil, on va mettre une académie. Académie, académie. Ça. Hop. Ah. Ingénieur. Et la prospérité, on y est presque, hein. Prospérité 46 sur 50. La pop aussi, on y arrive. Oh, mais c'est pas possible, je peux pas leur amener plus de bouffe que ce que je fais là. J'ai déjà tellement de bouffe. Hein. Le problème, c'est qu'il faut que mes armées soient bonnes au niveau qualité. Ouais, il y a des légumes, faut arrêter de se plaindre. Hein. Ça c'est le kart qui vient chercher le blé. Voilà, il a gagné. Regardez, il prend tout d'un coup, c'est incroyable. Hein. Fois 16 doses de blé. C'est ça qu'on veut voir. Ça c'est génial qui est ça dans le monde. Bon, j'ai trop de poterie malheureusement. Éventuellement, on pourrait installer un nouveau warehouse. Une nouvelle warehouse. Une nouvelle warehouse. On va mettre ici. Et cette warehouse, elle va. Faire du 16-16 et elle va accepter les deux. Voilà. Ça va permettre d'alimenter ces deux villes. Bon, non, ça va plus être que de la petite logistique de merde. Hein. Oh, je perds de l'argent encore, fais chier. Alors, on doit être à la fin de l'année, c'est ça? Septembre. Et ils ont déjà tout acheté. Ah ouais, ils ont déjà tout acheté. Vous voulez pas acheter plus d'armes?
Allez, 25 poteries, 27 de meubles, ils ont déjà tout acheté, 15 d'armes. Ça fait de l'argent, mais ils ont tout acheté. Je pourrais augmenter un peu les impôts aussi. Je pourrais augmenter un peu les impôts. Et j'ai que 56% de la pop qui est soumise aux impôts. On va aller chasser. On va aller chasser la fraude un peu là. Il y a pas mal d'évasion fiscale chez moi. Ce n'est pas acceptable. Ouais, ici. C'était un forum. Petit forum. Voilà. C'est ça, content. Je sais. Voilà. C'est un investissement, ça va payer. Avec tout ça qui va évoluer là. Est-ce que je ferai pas péter à la place du temple de Cérès là? Cérès, je suis mon temple de merde là. Et je vais mettre un amphithéâtre. Voilà. Voilà, toutes les poteries, les meubles qui arrivent. Ça va permettre de faire tout évoluer ici. Oh, l'autre mec qui se sont barrés là. Ouais, je suis pas fan de ce que j'ai fait là, c'est de la merde. C'est une blague! Comment ça peut ne pas évoluer alors que j'ai autant de poteries juste à côté? Ce jeu me rend fou des fois. Je vais faire un marché supplémentaire. Voilà. Oh, les chieurs. On est qu'en novembre. Voilà, tout est en train d'évoluer là. Pas de combat de gladiateurs, mais ça peut s'arranger. On va faire des. On va relancer une école de gladiateurs. Parce qu'on aime les gladiateurs ici. Voilà. Parfait. La quantité de bouffe que je fais. Et c'est pas assez! Déjà plein ici. Mon dépôt est déjà plein. C'est un truc de fou. Et qu'est-ce qui glande mon marché? Pourquoi tu vas pas acheter de la poterie là? César est important. L'argent va vite remonter. Après, je vais penser à me calmer sur les dépenses. Ouais, les faveurs, putain. Ouais, bah ouais, à force de passer en négatif aussi. César est pas très content. Hein. Maintenant, je vais commencer à économiser un peu, me calmer sur les dépenses. On va sur les 6000 d'habitants et ma prospérité, elle a du mal à monter. Je pourrais installer un autre dépôt ici, warehouse. Un dépôt qui va faire comme partout ailleurs. Accepter, 16. Voilà. On va aller chercher la poterie et les meubles aux quatre coins du merdier. Ah, voilà, achète. Voilà. Oh, magnifique. C'est de toute beauté. 4000 de thunes, on est bien. J'ai des
beaucoup de monde qui arrive et on va arriver à 6000, ça y est. 6000 habitants. C'est cool. Ça c'est fait, c'est ma première condition. La culture, on n'est pas loin. Tout fou là, Gary. C'est vrai que j'ai aucune librairie dans ma ville. On va faire péter quelques librairies. Librairie. Voilà. Librairie. Hop, c'est là. Voilà. Oh, mais putain, mais c'est pas possible. C'est terrible. Hein. Comment mes troupes peuvent être. Alors, c'est rare. Dans l'ensemble, c'est rare. Bon. Limite de thunes. On va faire un tour d'emprunt de blé. Importing max, c'est parti. Les dieux sont indifférents. Ce qui n'est pas bon signe. Voilà. Oh, tout est en train d'évoluer ici, c'est magnifique. Titan de Neptune. Voilà. Pur Mars. Voilà. Et enfin, Vénus. Parfait, 6000 de pop. La prospérité est en train de monter, la paix monte, les faveurs, c'est compliqué. 85 de faveurs. On n'est pas sorti. On n'est pas sorti du merdier. Bon, ici ça évolue. Toi tu servais à rien il me semble. Toi tu servais à rien. Non, je vais te supprimer. Ou alors je vais te mettre inactif. On va économiser les employés. Ah, on m'attaque. Ah ouais, là-bas, ok. Mes javelins vont prendre le feu, on va les attirer par là, on va leur prendre une embuscade. C'est un peu la vitesse. Voilà. Allez, on les attire. Il y a tous les chars qui sont là. Allez, on les engage. Oula, oula, il y a bien, il y a beaucoup de monde là. On va essayer de les attirer là, on va essayer de les attirer là. Et là, on va bien les encercler. Hein. Oh là là, mais tout ce qu'il y a! Regardez ça! Ouvrir César de cadeaux, ouais, il va falloir que je fasse des cadeaux. Hein. Oh là 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 là, mais regardez tout ça! Allez, là, on attaque dans le dos. C'est parti! Quelle bagarre! Mieux que Total War. T'as vu ma micro un peu? Est-ce que tu as vu ma micro de zinzin? Pas mal, hein? Je crois que c'est bon. On a fait le ménage.
On a quand même pris des pertes. On va les recompléter immédiatement. Voilà. Pas mal. Je ne suis pas en télétravail, t'es au travail! Pour de vrai! C'est pas vraiment du travail quand t'es en télétravail, hein, vous. Culture, tout flou, académisme. Non, mais académie, ça suffit! Non, mais j'en ai déjà mis deux d'académie là, faut arrêter un moment! Ici, est-ce que je pourrais mettre une académie? J'arrive à passer une académie ici. Tiens, est-ce que... Académie... Oh, ça passe. Oh, oui. Pourquoi... Ok, 58 de culture, on n'est pas loin. Là-haut, j'ai pas mis d'académie. On va remédier à ça. Académie, voilà, ils vont être contents. Coller à l'école. Allez, préfecture, études d'ingénieur, pour que tout le monde soit content. Voilà. Prospérité. La prospérité est en train de monter. Ok. Les pertes, ça a donné quoi? Pas mal. Ouais, oh là là, j'ai pris cher. J'ai pris cher, hein. Regardez là l'état de certaines de mes unités de légionnaires. Heureusement, on reconstitue assez vite les pertes. Hein. On a de l'argent dans les stocks, c'est une bonne nouvelle. Je mettrais bien une arène. Une arena. Ah, il me manque tellement d'employés dans la ville. Il me manque tellement d'employés. Arène. Ah non, mais ils évoluent pas ici, c'est une blague. L'arche. J'ai de la bouffe plein le. Okay, attendez, marquette. Voilà, 3 marchés, ça va le faire. C'est. Ouais, si, j'ai des combats de fauves et tout. Et là. Ah merde, pas de gladiateur, pas de fauves. Éventuellement, on pourrait. Installer Gladiator School et des fauves. Voilà. Il faut que j'arrive à faire évoluer tout ça et à le garder évoluer. Je perds trop de gens dans ma ville. Allez, 140 employés au secours. On va faire sauter éventuellement. Je pourrais peut-être autoriser ici l'argile. Voilà. Yo, on va commencer à brosser César dans le sens du poil. Je vais lui envoyer un petit cadeau à César. Un petit manuscrit grec que j'ai trouvé pour pas cher. Un petit truc sympa. Voilà, un petit cadeau quoi. Oui. J'ai pas beaucoup d'économie, mais je peux me permettre de lui montrer un peu. Voilà. Je vais aussi faire sauter quelques infrastructures. Là, même le meuble, j'en prenais tout le tour du ventre. Du côté de l'Ondinium, ouais, bah écoute, César sera content, tu vois. Ouais. C'est dingue qu'ici ils évoluent pas alors qu'il y a de la bouffe. Il y a tellement de bouffe, quoi. C'est indécent. Ok, si tu veux pas évoluer, tant pis, hein, je vais te casser. Et je vais mettre une statue à la place. Comme à Paris, on vire les clodos.
Voilà, une belle statue là. Parfait. Et je vais mettre une arène à proximité. On va mettre des arènes partout. Voilà, arena. Voilà. Voilà. 6200 habitants. La culture, c'est bon. La population, c'est bon. La prospérité, on y est presque. Vous savez que Yann Nakamura, mais je sais même pas qui c'est là. T'as Yann Nakamura là. Ah, toujours à l'ouest. Là où je pourrais ouvrir les armes. Hop, voilà. Bon, moins 50 de chômage. À l'époque et de la prospérité, mais c'est toujours le cas, tu sais. Le jeu a pas changé. Hein. Alors là, surtout, je joue avec le moins possible d'aide, la prospérité. Et là, je suis sur les missions guerrières. Ah bah ça y est, 51 de prosp. La prospérité, ça va, mais si j'avais pris la mission de paix, c'était 85 de prospérité. 85 de prospérité. Tu pètes un plomb avec 85 de prospérité. Il te faut des villas partout. L'enfer. Bah écoutez, il me manque les faveurs. Il me manque la paix. Et la paix, ça monte. Et on est pas mal. On est pas mal, hein. Financièrement. Ah ouais, financièrement, on a plus cher. Financièrement, on prend cher, mais ça va. Les dieux. Les dieux sont contents. Voilà, toi aussi. Voilà. Et éventuellement, on aurait pu. Il me semble qu'il y a des gens qui achètent de l'argile. Ça m'achète de. Je pourrais même acheter des armes. Ouais, du marbre, une forêt du marbre. Hein. Le blé. Ah, ça m'achète de l'argile. Ça m'achète pas de fer. Ça m'achète pas de fer. Ah si, ça m'achète des... Bon. Est-ce qu'on n'optimiserait pas l'argent, là? Ouais, mais je manque d'employés dans ma ville. Je manque de pas mal d'employés dans ma ville. On pourrait éventuellement fermer quelques ateliers de poterie. J'ai trop de poterie. Pour le moment. On les réactivera plus tard. Voilà. Et je vais pouvoir commencer. Je vais mettre un autre dépôt. Warehouse. Comme ça. Et là, je vais autoriser le fer. Et on va commencer à vendre l'argile et le fer. Raw material. Iron mine. Voilà. Bon, on va faire ça. Le matériel. Le pit. Voilà. Magnifique. Et on va faire quelques mines de fer supplémentaires. Mon matériel, Iron Mine. César, tu veux des... Allez hop, tiens, César, tu veux, je te donne. Hop, voilà. 40 légumes, j'ai tout ce qu'il faut en stock. Hein. Ça va vous coûter, César, vous allez voir. Il va m'aimer.
L'émission avec la pétage. Ouais, c'est long, il faut le passer. Parfait. Je vais pouvoir commencer à vendre. On va exporter le fer. Et je vais exporter l'argile. C'est des petits bénéfices, mais qui vont me permettre peut-être d'acheter après autre chose. Entre autres, peut-être du marbre. Voilà. Ici, je vais arrêter d'amener les armes. Voilà. On fait beaucoup d'argent. On est riche! On est riche, on croule sous les thunes. La prospérité, c'est bon. La culture, c'est bon. La pop, c'est bon. César va être content. Est-ce qu'on n'enverrait pas un cadeau à César? Ça fait longtemps. Un petit cadeau à César. On pourrait lui envoyer des tapis persans. Tapis persans qu'on a trouvé, qu'on a acheté là, à modeste prix. On va envoyer un petit cadeau à César. Et en plus, il a reçu... Regardez les faveurs! Regardez les faveurs! Ça monte vite, hein, quand César est content, hein! Je vais re-acheter du blé. Ah bah, j'importe déjà du blé, d'accord. J'importe déjà le blé. Voilà. On va faire du fer en plus. Pourquoi ils sont pas contents aussi? School library. Ça peut s'arranger. Ah ouais, je manque d'employés dans ma ville. Encore et toujours les mêmes problèmes. Hein. Encore et toujours les mêmes problèmes d'employés. Mais ça monte bien. La paix aussi. J'ai une nouvelle invasion qui se prépare. Mais j'ai des sacrées armées maintenant. Vous savez quoi, je vais même payer le luxe de casser tout ça. Voilà, économiser des employés. Là pareil, les poteries, on va désactiver ça. J'ai trop de poteries dans la vie. Voilà. Parfait. Battez mon armée. La bouffe, on croule. Attends, c'est une blague. J'ai pas d'employé ici, t'es sérieux là? Bass House. T'es sérieux là? Putain. Ah ouais. Mes bains qui sont pas passés assez. Éventuellement, vu avec les thunes que je fais, je pourrais me débarrasser de lui là. Et mettre un bain. Voilà. On peut se permettre ce genre de vu les thunes qu'on fait. Voilà, regardez, mon charbon et mon argile qui sont à l'export. Import-export. La tête de Pompée. Ah, et César était pas très content d'avoir reçu la tête de Pompée. Hein. Il aimait bien Pompée, hein. César, il avait beaucoup de respect pour Pompée. Hein. Il a été que moyennement content quand on lui a ramené sa tête. Bon, les 6200 habitants, on est bon. Ici, on est bon aussi. Ouais, bah, il me manque faveur. Est-ce qu'on n'enverrait pas un petit cadeau à César? Est-ce qu'on n'enverrait pas un petit cadeau à César? Il est satisfait, mais on pourrait lui envoyer du verre égyptien, ou alors une troupe d'esclaves, des troubadours esclaves. Regardez, hop, on va envoyer à César des troubadours esclaves. J'étais ironique, ouais, ouais. Je comprends. Je vais éviter de trop mettre César en colère en lui emmenant la tête de Pompée. Déjà que je peine à être dans ses bonnes grâces.
l'argent. La paix va être compliquée à faire monter. Je pourrais peut-être importer un peu de marbre. Du marbre. Hop. Du marbre. Faire un petit stock de marbre. Pour faire des... pour faire entre autres des... voilà, une porting max. Let's go. J'ai de l'argent. Je peux me permettre ce genre d'excentricité. J'ai peur que les dieux soient pas contents. Ah, ça va. Please, please, on est bon. Et je vais faire... Je pourrais peut-être faire des nouveaux quartiers. Des petits quartiers. Voilà. Comme ça. Ah. Comme ça. Ah. Toi, tu sers à rien de te casser. Tu vas plus gêner qu'autre chose. Fontaine. Les statues de Gérard Larcher, très important. Statue d'un sénateur célèbre. Gérard. Vous imaginez avoir une statue de Gérard Larcher chez vous? C'est classe quand même, je pense. Vous arrivez là, il y a Gérard, là, hop. Le rêve. Marquette. Elle occuperait un peu de place. Ah, ça. Ça, c'est encore un autre problème. Docteur. Barbier. Les dieux. Cérès. Ah. Neptune. Mercure. Mars. Et Vénus. Le petit théâtre qui va bien. Le bain. Voilà. Petite école. Oh, j'ai plus d'argent. Pause. Eh merde, César va pas être content. J'espère que ça s'active pas instantanément. Faut que j'arrête avec le marbre. C'est le marbre, c'est ce putain de marbre. Et merde, j'ai trop acheté. J'ai beaucoup trop acheté de marbre. J'aurais dû mettre une limite, 32 de marbre. Fais chier, qu'est-ce que j'ai foutu de tout ça. Je vais autoriser ici le fer. Voilà. Ah le con. Je vais installer mon camp de travail, la guilde des architectes et mon camp de travail. Ok, voilà. Et je vais faire péter les plazas. Ah. Qui arrive, mais j'ai encore de la marge. Oh, regardez la culture dans ma ville, 76, prospérité 51, la paix, on est monté à 42, c'est pas mal. Et les faveurs, on monte aussi. Et je vais pouvoir commencer à installer des oracles. Des oracles dans ma ville.
des petits oracles pour la plèbe. Voilà. Des jolis oracles. Ils vont être heureux avec des oracles. Voilà, une chier d'oracle. J'ai investi dans du marbre exprès pour ça. Ah, Félix Faure. Ah, c'était quoi? Il voulut être César, mais il fut pompé, c'est ça? Allez, bonne. La bouffe, on est bien. Ouais, il voulut devant César et il mourut pompé. Écoute, il y a pire façon de rentrer dans l'histoire que ça. Mais ça n'empêche que c'est quand même vachement amusant. On va pas se le cacher. Le problème, c'est que j'ai donné toutes mes économies. Ça fait très, ça fait la pompe funèbre. Excellent. Il y avait un sens de l'humour à l'époque. Hein. Bon, mes poteries commencent à diminuer, mais c'est normal. On avait encore le droit de rire à cette époque. Ah, aujourd'hui c'est plus compliqué, hein. Si tu te moques de Jean-Michel, ça peut te valoir les tribunaux de te moquer de Jean-Michel, hein, aujourd'hui, hein, ou Macron. Ils ont littéralement fait voter une loi pour ça. Une loi de lèse... C'est du lèse-majesté, hein. Tu te fais embastiller, hein. C'est incroyable. Qu'ils viennent me chercher, comme disait Macron. Je continuerai à me foutre de la gueule de Macron et de Jean-Michel. Et du renflement brun, aussi. D'ailleurs, là, j'ai une émote Macron qui va arriver avec de la coke. Un petit montage, là, sympa. Là, on est pas mal, maintenant. Hein. On est pas mal, du tout. Ok, la menace d'invasion est proche. On a pas mal d'employés en trop. On pourrait éventuellement commencer à mettre des murs. Ça, road, et des tours, tower. Ok. Oh non mais... Plague. Attendez, on va mettre un hôpital d'ailleurs. Un hôpital Voilà. Docteur. Barbier. Ah. Les meubles, on est pas mal les meubles. Relancer un peu de poterie. Voilà, je peux me permettre, j'ai de la pop. Mais mon salaire est en train de remonter. On pourrait envoyer un cadeau généreux à César. Des étalons arabes. Rien à voir avec Mokhtar et le Babybel de la cité, hein. Des vrais étalons. C'est pas mal. Oh, 83 de culture. Eh, les faveurs, c'est bien monté. La paix aussi. On s'en rapproche, hein. On s'en rapproche plutôt bien. Les thunes, on est large. Mes oracles sont en construction. Ah, premier oracle. Magnifique. Et les dieux... Les dieux sont très contents. Ah, qui pourrait faire à Jupiter? J'ai la ref.
Il va me manquer juste la paix. Vous savez s'il y a un dieu qui fait... Est-ce qu'il y a un dieu qui fait augmenter la paix, le chat, hein? Ceux qui connaissent le jeu, là. Est-ce qu'il y aurait un dieu... Est-ce qu'il y aurait un dieu qui fait augmenter la paix? C'est une question légitime. Voilà, ici on est prêt à les accueillir. On va mettre les la préfecture là. Ingénieur. Comme ça. Ici on va en mettre un. Là c'est très important la santé hein. La santé de mes citoyens. La paix est encore montée, 47. Pour les faveurs, César. César, c'est quand la dernière fois que je t'ai envoyé un cadeau? 7 mois, on va attendre un petit peu avant de t'envoyer un esclave éduqué. Donc il ne me reste plus que 20 hein. Ouais, on va attendre un an avant d'envoyer un nouveau cadeau à César. Voilà, j'ai ma ligne de défense là-haut. Pas mal. habitants. Ça tombe bien. On a beaucoup d'argent. C'est pas mal du tout. Hein. Les morts, est-ce que je pourrais pas relancer? Voilà. Voilà. J'ai pas mal d'employés en RAM là. On va pouvoir relancer quelques industries. Sont mes petits oracles. Mes oracles, ils sont déjà finis. Ça attaque. Ok, il vient directement là. Ça va bastonner. Hein. C'est parti. Hein. Grosse bagarre. Engage. Oh là là, il y a du monde, hein. Oh là là, il y a du monde, hein. Ah, je me suis fait attraper. Regardez tout ce qu'il y a! Voilà, j'ai une légion qui va craquer. J'ai un peu peur, hein. J'ai même très très peur, hein. Ça continue d'arriver! Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh là 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 là, ça se passe pas bien du tout, hein. Mes légions, elles tiennent la baraque ici. Oh, les chars, les chars. Oh, mes légions, elles tiennent là. Oh, mes légions qui font le café! Ici, on l'a repoussé. Mais les légions, regardez-les, les gigachad! Ils sont incroyables.
Allez, mangez-moi le char, mangez-moi le char. Voilà. Ça tient, mais quelle bande de tchad. Quelle bande de tchad. Incroyable. Les légionnaires. C'est fou, les légionnaires, quand même. Allez, on supporte. Avec les javeliniers. C'est pas fini, hein. Oh là 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 là. Quelle bataille. J'y ai laissé toutes mes légions, hein. J'y ai laissé toutes mes légions, hein. Ça va être long à recompléter, hein. Oh là là, j'ai deux mecs. 3 5. J'ai plus d'armée. Je vais refaire une caserne supplémentaire. Barracks. Double caserne. Pour refaire de la viande. Quel abattoir. Quel abattoir. Est-ce qu'on enverrait pas un petit cadeau à César, hein? Est-ce qu'on enverrait pas un petit cadeau à César? On pourrait lui envoyer un esclave éduqué. Voilà, faveur 70, on est pas mal, hein. La faveur, on se rapproche, la paix, on y est presque, hein. Bon, là, les troupes, ça recomplète vite. On a 4 casernes, je peux dire que ça envoie. Mercure... Acid Delight, oui, Mercure, tu régales. Je vais continuer à mettre des oracles. Voilà. Je vais mettre des oracles, qu'ils soient contents. Vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Voilà. C'est la doctrine dans ma ville. Voilà. Attends, ma faveur vient de baisser. Pourquoi ma faveur vient de baisser? Prospérité, on est bon. Culture, on est bon. Pop, on est large. Et la paix, il me manque plus que 3. On y est presque, hein. On y est presque. Je pense que la paix, je vais réussir à l'avoir avant la prochaine attaque. J'espère. L'argent, on trouve sous les thunes. J'ai trop de bouffe dans mes... J'ai trop de bouffe dans ma ville maintenant. C'est une bonne nouvelle encore. Il vaut mieux avoir trop de bouffe que pas assez. J'ai une jolie ville, parfaitement fonctionnelle. La paix. Je vais encore attendre un petit peu avant d'envoyer à César un cadeau. Ce que j'ai envoyé il n'y a pas longtemps là. On va y aller mollo. Après, je vais lui envoyer un cheetah, le gros chat là. Voilà. On se régale au niveau tu vois. On est très très bien. Là, la ville elle tombe toute seule. Ça, ça veut dire que si vous avez une bonne ville, hein. Elle va aller plus vite, c'est puissant. Dimitri Boutune. On est bien. Un petit palais, absolument Gapin. Je l'ai bien mérité, un petit palais. Governor Mansion, un palace. Regarde Gapin, je vais le mettre là. Regarde mon palace Gapin. Bien mérité mon grand palais. Avec une ville aussi fonctionnelle, j'ai quand même le droit de me payer allègrement. Et je vais même me mettre une petite statue de Gérard Larcher, mon mentor, en face, statue d'un sénateur. D'un sénateur, statue juste là, voilà, petite statue de Gérard. Et on va aussi se faire péter une statue de gladiateur.
Magnifique. Hein. Il y a peut-être une belle statue légionnaire. Voilà. Tous les dieux sont heureux. La paix, ça va monter maintenant. Vite. Est-ce que j'aurai pas un grand cadeau à César? Scène de gift. 13 mois, on va lui envoyer un grand cadeau. La vie gift. Il va aimer ça, César. Là. Oh là là. Faveur. On y est presque. Il me manque 3 de paix. Il me manque 7 de faveur. On y est presque. Les armées sont en train de se reconstituer à grande vitesse. Très bonne nouvelle. J'ai une attaque qui arrive. Oh là là, j'ai une attaque qui arrive. Pourvu que je finisse. Pourvu que j'arrive à finir avant l'arrivée de. Parce que là, mes troupes, c'est ricrac. La paix, c'est bon! Il me manque que César! Je suis à 57 de paix! Il me manque 9 de faveur. Il me manque 9 de faveur. Les gars, arrêtez de me faire chier. Arrêtez de me faire chier. 9 de faveur. Je vais ouvrir les armes. Voilà. 9 de faveur. Pourquoi il me demande rien, César, là? Pourquoi il me demande pas un truc à la con, César, là? Alors, demande-moi des légumes ou n'importe quoi, je te donne tout, César. Tout! Même moi, je suis prêt à donner de ma personne. Ça fait 76, attends. Ah ouais, 76. Il est satisfait. Je vais lui renvoyer un petit cadeau. Ça fait que 7 mois que je lui envoie un cadeau. Faut attendre. On va espérer que César... qu'elle a les légions sont reconstituées. Ah, El Famoso. Et merde, je vais être attaqué de façon imminente. Mes troupes ne sont absolument pas prêtes. Je vais éventuellement... Ok, ça c'est cool. Vénus, les gens sont heureux. Invasion imminente. Hein. Il y a un monde où... vous savez quoi, je vais sauvegarder. J'ai mérité ma petite sauvegarde. Voilà. Ça venait à mal tourner. Oh non, mais tout sérieux, alors qu'ils ont de la bouffe à tout savoir qu'en faire là. Mais je peux pas, je suis au max ça. Je suis au max de mes effectifs militaires. Je ne peux pas faire plus que ça. Je suis au max. Et il me manque 9 de faveur. Et je peux pas envoyer un cadeau à César. J'ai envoyé il y a pas longtemps un cadeau. Fais chier. Plus de défense, je pourrais, mais vu ce qui va me tomber dans la gueule, je suis pas sûr que les défenses soient. Alors, éventuellement, on va faire péter les murs comme ça. Ça venait à avancer. Comme ça. Espérant qu'ils trouvent le chemin des maisons. Faut spam les 3 balistes. Je suis pas un grand fan des defs comme ça. Pareil.
j'ai juste qu'à tenir. J'ai juste qu'à tenir un petit peu. Et on sera bon. Ah. Pas mal. Regardez. Oh, attendez. J'envoie César 32 meubles. 32 meubles à César. Je lui envoie un grand cadeau. 84. 84 de faveur. Oui, c'est ça. Ils arrivent avec des chars, oui. Beaucoup de chars. Oh non! Non! J'y crois pas. Il me manque un de faveur. Je te déteste, le jeu. Bon, le but va être de l'amener sous les tours, ici. On va lui tendre un piège. On va lui tendre un piège. Ils vont être incroyablement nombreux, d'accord? J'y crois pas, 84 de faveur! Merde! Allez, on va commencer à attaquer. On va les attirer. Allez, pas facile cette mission, hein, parce que leurs armées là sont très très nombreuses maintenant. Voilà, on les savate. Hein. Regardez. Faveur 100. Les 32 meubles. Les 32 meubles que j'ai envoyés instantanément à César. On veut la fin de la bataille. Bon, on est tous d'accord que j'ai gagné. Hein. D'accord? On est tous d'accord que j'ai gagné. Quoi qu'il arrive, j'ai gagné. Ok, on va continuer 2 ans et on va faire la bataille. Ouais, je connais le chat. Je connais les cancers du chat. Hein. Allez, c'est parti. Que la fête commence. Oh Guts, merci pour le sub. Oh là 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 là. Ça, ça mate, hein. Heureusement que j'avais les balistes. Hein. Heureusement que j'avais les balistes. Hein. Merci, peut-être pas mauvais. Ah, les éléphants de Carthage, c'est la même chose. C'est Medio-Alum. Medio-Alum qui doit être la 3ème ou 4ème mission, je pense. Qui est très très fun à jouer avec Carthage. Et là, mes javeliniers ils bossent. Hein. Mes javeliniers ils bossent, hein, je peux vous dire. Non, on aura encore pris des sacrées pertes. Mais on aura défendu. Et on aura gagné. Voilà. Oh là là, mes pauvres japonais, ils se sont fait éclater. Voilà. Pas mal. On va remonter pour aller voir la cinématique de fin. Je l'ai bien mérité. Hein. La cinématique. Mais justement, on va faire les 2 ans là, Galpin. On va faire les 2 ans hein, juste pour avoir vu que ma ville est opti. Ma ville tourne sans aide extérieure. Regardez. Eh, hey, à 500% ma ville. Hein. Matez ça.
Quelle œuvre d'art, elle tourne sans rien. Hé, hey, les mains. Ça, c'est une ville fonctionnelle. Aucune opti, rien. Juste. Voilà. Bon, quelques petits problèmes de plague et de rats, mais ça, c'est le détail. Et on a fini la campagne. Acceptez le statut de dieu vivant. Un jeu qui a 26 ans, les gars! Un régal, hein, je me suis éclaté. Hein. Pas facile, hein, attention, hein. Attention, je sais jouer. Hein. Je suis un bon joueur de César 3. 26 ans. Hein. Le jeu est incroyable. Toujours une tuerie. Le jeu a très très bien vieilli, surtout avec le mode Augustus. Et voilà, je suis César. Voilà, César les gars. Et on n'a pas échoué dans beaucoup de missions, hein. On n'a pas échoué dans beaucoup de missions, hein. May your name forever join the pantheon of Rome's greatest rulers. Et on revient au début. C'est la fin du run sur César 3. On a gagné, on a fini la campagne. Pas mal. 15 sessions quand même, hein, pour tout faire. Hein. C'est cool, hein. Je me suis bien marré. Hein. Pas facile, hein. Bon, bah, écoutez, t'en as recommencé aucune, si. J'en ai recommencé la même à cause des loups, 3 fois. Je crois que c'est Londinium que j'ai dû recommencer 3 fois, parce que les loups me bouffaient au début, et j'étais forcé de recommencer. Contrairement à Panzer Corps. Ah, Panzer Corps, c'est une autre histoire encore. Le problème de Panzer Corps, c'est que je suis nul, tu vois. César 3, je suis un bon joueur de César 3. Panzer Corps, je suis nul. Et quand t'es nul, ben, sur un jeu un peu exigeant, tu dois recommencer. Voilà. Tout simplement. Tu devrais faire Cossacks 2. Ouais, je suis pas un grand fan de Cossacks 2, malheureusement. Bon, sur ce, je vais m'arrêter là. Ce soir, Gundabad. Aïe, aïe, je viens avec un peu la merde au cul. Hein. César 4, ouais, non, mais même César 4 était vraiment merdique. Hein. Voilà. Est-ce que tu fais Pharaon aussi? Bah, peut-être qu'à l'occasion, je relancerai un run dans très longtemps sur Pharaon. Sur Zeus, maître de l'Olympe aussi. Mais César 3 reste la base de tous ces jeux. Donc, voilà. Bon, je m'arrête là. Ce soir, Gundabad. Demain, Minute Spatiale, Lord of the Rings. Et en soirée, je continuerai Manor Lord. Et c'est déjà pas mal. Bon, allez, sur ce, passe une bonne soirée. Puis je vous dis à ciao. Allez, c'est tout le monde. Allez.